topesi Yesu merci pona ngulu asali biso ya kokomisa biso na mukolo ya lelo. Que le Seigneur Jésus Christ soit loué, que le Seigneur Jésus Christ soit béni. Nzambe aza malamu, aza penza malamu. Yoyo abandaki na biso cette parole na débit. Et voilà, aujourd'hui nous sommes, je dirais, arrivés à la fin. Parce que le toujours de là, les sept paroles, comme la marche de Dieu de l'éternité à l'éternité. Que toujours ma septième parole, comme 1 Corinthiens 15, verset 24. Je crois tout ça, wana. Toujours si sa septième parole est l'élo. Le long de toujours sa septième parole, par la grâce de Dieu. Je crois l'élo d'Ozali vendredi. Si le Seigneur nous fera grâce dimanche, tout le monde a ensemble un événement où il s'est passé qu'après la septième parole. Quand il y a un centenaire romain, il y a un fils de Dieu. Quand il y a un bateau qui a été fait, il y a un événement qui a été fait. Quand il y a un bateau qui a été fait, quand il y a un rideau à temple où il y a un pasuka, je crois que tout le monde a été fait pour l'événement wana. Je crois le jour du dimanche pour nous mettre fin à la septième parole. Ce que vous allez bêler, vous allez bêler la partie. Partie aussi, ici, je crois, mardi. Donc, nous disons que tout ça, penza, presque à la septième parole. Tout le monde, merci. Parce que, ils ont un zéla, il y a un goulounaïe, il y a un goulounaïe. Parce que, ce qui est là, il y a un casse, il y a un goulounaïe. Le péché merci parce que Azala qui nous a assisté à Kibiso, à Pesa Kibiso, au Matea, Yakotea, à Kumisa Kikombonae, Nakatalitea, et voilà, tout comme il est presque à la fin. Merci. Avant tout, Banda, tout bon délice, Seigneur Jésus, le péché merci. Toi, le commencement, la fin, le premier, la dernière. Au Banda qui n'a pas eu, peu comme si il le lot, tout le Banasuka, toujours péché merci. Zalan Zambé, à côté de moi, à côté éclairé, à côté parler. Donne-nous des surprises agréables, Seigneur. Auto-préparez-vous pour Zanzambé à l'Obaka. Par le nom de Jésus, Amen. Tout ça, le bosso écriture, le bosso, tout ça, na Luc chapitre 23, l'écriture de base, pour tout ça, la septième parole. Luc chapitre 23, verset 46. Et comment, mais oui. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains, et en disant ces paroles, il expira. Que le Seigneur ajoute l'explication à cette lecture. Ok. Le problème sur les actes est toujours expliqué Jésus, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Retenez que septième parole, c'est l'achèvement de toutes choses. Septième parole, c'est ça l'achèvement de toutes choses. Donc, Moussa Nyonso est ici. J'ai remis mon esprit entre tes mains pour dire que c'est ça l'achèvement. Il y a œuvre Nyonso. Donc, expliquer en gros, achèvement, Nandengeni. Tout de suite, Mukanda Esaïe chapitre 45, verset 9 à 10. Esaïe 45, tout ça, verset 9 à 10. La Bible dit. Malheur à qui conteste avec son créateur. Vase parmi des vases d'auteur. L'argile dit-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Tokitina verset 10. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Que le Seigneur ajoute l'explication à cette lecture. Ce qu'on a verset 9, Nzambe Azako se présentait comme le créateur parce que c'était créateur. Na verset 9, partie B, Dieu Azoko se présentait comme un potier parce que Azoko va vase parmi des vases de terre. L'argile, dit-il à celui qui l'a façonné, qui est fait, est ton œuvre, il n'a point de main. Ici, Dieu, c'est le créateur, il se compare à un potier. C'est pour dire que Azako est potier. Il y a un peu de temps,
l'humanité tout entière est œuvre d'art en Zambé. Zambé est un potier parce qu'un potier est un mouton à la art. Il y a un potier à la art, à la banzungu, il y a bikeko. C'est pour dire que l'humanité est œuvre d'art en Zambé. Zambé est un potier. Oyo aeba na kosa l'humanité. Oyo kele sen venis. Tango kitana verset 10. Akolobaboye, malheur à qui dit à son père, pourquoi m'a-t-il engendré? Et à sa mère, pourquoi m'a-t-il enfanté? C'est pour dire que ici Dieu compare, il se compare lui le créateur à un potier, à Suki Wanate. Il se compare aussi lui le créateur à un père ou une mère. Nous avons compris que le créateur c'est un potier, le créateur c'est un père, le créateur c'est une mère. Et donc, que nous avons une éternité comme un potier. Azalaka na makanisi ya kosala art, art otozolo basi sa l'humanité. Nyoso tuzumwa na mukilo za ndé art ya Nzambe. Ba montagne, ba colline, les vallées, les eaux, les arbres, les oiseaux, les animaux, tout 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 nous voyons et ça œuvre d'art, il y a le véritable potier qui est Dieu. C'est pour dire qu'à l'éternité, il avait tout dans son esprit, mais c'est ngala ki abanda ce qu'on manifester art naé. Que le Seigneur nous bénisse. Non seulement Azali potier, je crois que ma camisole au loba, moi ya ko vanda wana mingezate. Non seulement c'est un potier, azaka potier te, mais c'est un père, c'est aussi une mère. C'est pour dire que papa, à Nzambe, l'éternel se compare à un potier, il se compare aussi à un père et à une mère. C'est pour dire que papa, za moto ya botaka. Vous voyez, à botaka, na botaka nani. On a aucun et pas à Lévi. C'est parce que quand Melchisedec, quand Melchisedec a bandé qu'on a dit à Abraham, Lévi a zalaki na katia renae, a zalaki na mukongo nae. Vous voyez, mais c'était question du temps. Aye banako bota. C'est pour dire que Lévi a zalaka fils d'Abraham, mais outaka na katia barin d'Abraham. Tant moni Abraham a zo pesa dim Lévi qui na barin nae. Exactement pour atosa Abraham comme le père. Exactement ce qui se passe avec la création. C'est pour dire qu'à l'éternité, comme Dieu c'est un père, nous croyons que l'humanité comme un fils était dans les reins de Dieu. Zomona était dans les reins de Dieu. Langage à côté de l'humanité comme le fils de Dieu, en azul mokili, la création oyo, comme le fils de Dieu, nous avons choisi qui n'a qu'à Tianzambe. Mais il fallait qu'il y ait un temps afin que Dieu puisse les manifester. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a un temps où le Seigneur nous a manifesté. Ok. Donc, depuis que tu as commencé à se comparer à une mère, en vérité, une mère, c'est celui qui a la grossesse. A ko bomba grossesse, mais a koyana ko manifester grossesse, to ko bota mwana wazakati nae. Voilà pourquoi nous disons qu'à l'éternité, Dieu était une femme enceinte. À l'éternité, Dieu était une femme enceinte ou une femme grosse. La grossesse que Dieu avait à l'éternité, c'est la création. C'est pour dire que création est la grande zémi. Oyo nzambe azalaka nango na éternité. Attention, ça va se bela ko varier. Eza zémi o nzambe azalaka nango na éternité. Mais comme il est le Dieu qui fait toutes choses bonnes à son temps, azalaka na wana na éternité zemiwan. Mais lorsque le temps est koye bana ko s'accomplir, c'est alors que Dieu va enfanter. Que le Seigneur nous bénisse. Yango to solo bakere les sept jours de la création, ezalaka pe bana o nzamba keli. N'aspect oyo ya Esaïe chapitre 45 verset 9 à 10. C'est pour dire que depuis l'éternité, Dieu comme une femme azala ki na grossesse nde akoyeba na ko manifester mwana oezali la création tango abani na kokela kele sa no bénisse. Bref, nous résumons la pensée pour dire que le créateur na zongeli na tange écriture yango naza na Esaïe. Ok, na Esaïe na bana verset 8, que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre, que les salis y fructifient, et qu'il en sorte, que ça sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, j'ai créé ces choses. Ok. C'est pour dire que l'Éternel, c'est lui qui est le potier. L'Éternel, c'est le père. L'Éternel, c'est la mère.
Donc, Awa, l'Éternel n'a pas se présenter. C'est pour dire que quand on voit l'Éternel, c'est lui qui est le Père. Quand on voit l'Éternel, c'est lui qui est le potier. Quand on voit l'Éternel, c'est lui qui est la mère. Que le Seigneur nous bénisse. Or, l'Éternel, c'est lui l'Éternel, c'est lui le Père. C'est pour dire que le Père, c'est celui qui n'a ni commencement de vie. Le Père, c'est celui qui n'a ni fin de vie. C'est lui le créateur de toutes choses. Donc, le Père, c'est le créateur de toutes choses. Que le Seigneur nous bénisse. En passant, dans notre vie, le Seigneur tous a la foi, la confiance, et pas en Zambé. Comme il est le Père. Le Père, c'est le créateur. Nous croyons que le Père, comme le créateur, c'est lui la parole. C'est question du temps. Que le Seigneur nous bénisse. Je ferme cette parenthèse. Mais remarquez, quand le Père, tu dis que le Père, c'est l'Éternel. L'Éternel, c'est lui-même le Père. C'est lui le potier. C'est lui la mère. Azan les banalités, ana sukate. L'éternité, azan qui na art na ina katinae. Mais tant que tu croyais la création, a qu'on manifestait art, où ils allaient qui katinae. Que le Seigneur nous bénisse. Où ya kukani nae azate, où ya zalo kolae azate. Il n'y a que lui qui peut réaliser de grandes choses. Il n'y a que lui qui peut réaliser des choses au mutumuso qu'on a réalisé. Il n'y a que lui qui est la source de l'inspiration. Les options sont surtout imitakae. En dehors de lui, personne d'autre n'existe. Dieu n'imite personne parce qu'en dehors de lui, Mutumusu soit zate. Dieu n'imite personne. Il est la source de toute inspiration. C'est lui qui est ta base. Il est l'auteur de toutes choses. C'est lui le maître de la création. C'est lui le potier par excellence. C'est lui le potier par excellence. Le vrai chef d'œuvre. Donc, Mutakoro, ça, la loco, la yé azate, qu'elle s'en bénisse. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tant que tout le monde a keli bilo qu'on a eu soit salé keli a siri sim salana e a koke la mutu tant que koke la mutu tu as vu ce qui s'était passé en Eden, le serpent va venir à ko séduire mutu tant qu'on séduire mutu parce que Dieu après avoir créé l'homme après ça qui est autorité pouvoir makambu tout a siri sim mais après le serpent va venir quand je parle le serpent tout le monde a diable akoya ko séduire mutu tant à séduire mutu muta kokoya ne sert pas comme ça autorité na pouvoir nzamba parce que pas muta comme pas naye yango remarqué na Matthieu 4 c'est le Seigneur fukamelangai adorenga pe bazobanda ko lobake azwaki na nous Jésus même qui est sur une montagne très élevée il lui éleva amematisa qui est l'icolo ya montagne moko très élevée c'est pour dire que attention élévation ne sous tak pa nzambete élévation à Satan appelle à la capo à ton monde azu Jésus amatisi lui éleva sur une montagne très élevée c'est pour dire que élévation sous tak pa nzambete élévation pe à Satan ezalaka voilà pourquoi nous devons faire beaucoup trop d'attention à quoi c'est que fukamela ngai na ko peso nyonso wala que mo kilimo bimba pona pesa kana muto na lingi que le Seigneur nous bénisse voilà pourquoi nous devons faire beaucoup trop d'attention na makambo ebele po ebele le basi bafuka mili satana po ba za autorité mais remarquez le kwa ko lobake fuka melanga na pesa o pouvoir po yango pesa melanga e pesa mela e wapi e pesa makande pa ya e pa ya dan vous voyez pesa makande ya dan nzamba pesa kande ya dan autorité na pouvoir nous croyons que azo zwango mukolo nini remarquez quand l'homme avait péché quand le Seigneur vient après si sentence pas mutu après 600 ans, c'est pas moi aussi, mais tant que vous n'avez pas de serpent, vous n'avez pas de serpent. Pas serpent. Vous n'avez pas de 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 serpent. Vous remarquez, avant, il n'y a pas de nyoka. Vous n'avez pas de serpent. Dans Genèse 3, vous n'avez pas de serpent. Comme si vous n'avez pas de poussière. Okozonga na poussière abio kulia pokulia na pasi na suira front na yo kulia jusqu'à jour okozonga na poussière pote la ki poussière okozonga na poussière nous avons compris que Adam na Eve ti banda ko marché wana bazala ki ba poussière mais remarquez Dieu a eu l'autorité le pouvoir à pécher par Adam or Adam wazana za poussière mais quand Dieu dit maintenant au serpent na pécher poussière olia or kulia na Daniel chapitre 7 ba kotala sani ya mamoko za laki wana 4 bêtes ba do baka za laki épouvantante za laki somo il mangeait il détruisait or kulia c'est l'eau pensée wana c'est dominé
c'est avoir l'autorité sur quelqu'un. Maintenant ici quand on dit que bazo pe ça sert pas pouvoir alia mabele, or la poussière c'est l'homme. La poussière c'est l'homme. Na Genèse chapitre 3, nous en bazo ça Adam ou taki na poussière. Osons à la poussière. C'est pour dire que la poussière, c'est l'homme. Mais quand Dieu donne au Satan et au serpent la poussière, c'est pour dire qu'elle livra que l'homme n'a pas connu. N'a autorité, n'a pouvoir, non, sur lequel pas moutou. Satan, je viens. Que le Seigneur nous bénisse. Yango, tu le dis, Gazoba, Foka, Melangaï, n'a pas pu son yon, son oeil. Maintenant, vous remarquez, ancienne alliance, c'était le temps où les serpents dominaient. C'était le temps où les serpents mangeaient de la poussière. Que le Seigneur nous bénisse. C'était le temps où les serpents dominaient. Likolo ya mutu. Maintenant remarquez, père à likolo avant d'y avoir ma camion sur Zoléka. Wana père à Jirnante, père avant d'y avoir ma camion sur Zoléka, Satan, Azo, Kosala. Maintenant, yoka réaction à père. Là, atouza, le père c'est le créateur. Yoka réaction à père. Esaïe chapitre 35, verset 4. Esaïe 35 et 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Au moins, c'est vos promesses à Père. À Père, ce qu'on vit, comme nous, c'est le cas qui en a, l'éternel, le créateur, le potier, la mère, le père, à l'obi. À l'obi, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Remarquez, ici, c'est le Père qui promet qu'il va venir lui-même. Akoya yemoko tangwa koya tala bloka koya nango tangwa koya akoya na combien de choses. 1, la vengeance. 2, la rétribution de Dieu, de Dieu viendra lui-même. 3, et vous sauvera. Cela veut dire azoya na sali azoya pe na vengeance omoni tangwa azoya. Cela veut dire le père azoya na vengeance na sali. Mais vous remarquez que pour Père apporter vengeance na sali, à Père Moutalobi. Mais pour Asalango, il fallait qu'il ala tanzoto aya nakatia batu pour sauver. Vous remarquez, les jours y a baptême, y a Seigneur Jésus, l'Esprit va descendre dans le corps qu'on appelle Jésus. Or, Jésus, na hébreu, est allé saka Yehoshua. Il y a Yehoshua. Or, l'éternel est sauveur. L'éternel est sauveur. Ce que nous avons dit, c'est que Jésus, c'est pour dire que l'esprit de l'éternel, comme ça, dans Jean 4:24, la Bible dit que Dieu est esprit. C'est pour dire que l'esprit là, c'est le Père, c'est le potier, c'est le créateur, qui descend dans le corps de Jésus, Yehoshua, qui vit dit éternel sauveur. C'est pour dire que cet esprit descend dans ce corps avec une mission de faire quoi? De sauver. Il y a un autre lobby qui est tango mutasumu kaki comme le père atalikaka. Mais pour sauver, il faut ce qu'on a comme ma fils. Ah, c'est là que la dispensation du fils va commencer. Ndé le fils akobanda musala place wana enfin de sauver. Que le Seigneur le bénisse. Le fils commence là pour sauver. Il y a un autre lobby qui est banda Jésus ayaki na sa mabele dispensation fils et banda ki mukolo wana. Ce qu'on dit, parce que soit fils bande banda tille loué si la nanouté. Parce que le fils, mission naïe, c'était quoi? La mission du fils, c'est de sauver. La mission du fils, c'est la vengeance. Vous voyez? La mission du fils, c'est de sauver. La mission du fils, c'est la vengeance. La mission du fils, c'est la rétribution. Que le Seigneur nous bénisse, c'est les foutis. Il y a un temps, on dit que quand tu vois le Seigneur Jésus-Christ monter à la croix, tozon di make akokisa biloko nyonso misatu. Tozon di make na ekulusu a se vengeant ki contre ennemi. Tozon di make ne kulusu tozwa ka retribution. Tozon di mane kulusu tozwa ki sali. C'était à la croix de Golgotha que le Seigneur Jésus-Christ avait tout accompli, toutes ces trois choses à la croix de Golgotha. Que le Seigneur le bénisse. Po nde komso ko tuna ke a vengeance si nous le bane kulusu. Oui, nous croyons que la croix c'est aussi le lieu de la vengeance. Parce que vous remarquez Tamar, Azalaka, des virgés, tout, déshonorés.
Azalaka déshonoré et pas à Amnon. Mais qu'on remarque que Absalom bomba kakanda wana na mutema. Mais il fallait un jour afin que Absalom aille banako tirer vengeance. L'icolo ya Amnon. Mais on peut remarquer Mukolango ezalaka lokola fête. Oui, c'était une fête. Amnon zo mela masanga. Mutema neto ni samine sengo. Mayeba kite que c'était sans fin. Bako frappé. Tozolo babo et Tamar. Selon signification kombo nae et talisaka le palmier. Or, psaume chapitre 90, verset 12, écoutez le sabiso que l'Égypte se croise comme un palmier dans la zone de l'Éternel. Nous avons compris que Tamar, oiseau symbolisé, le palmier, c'est l'Égypte. Azalaka belle, vous voyez, écoutez le ça, Adam en Eden, oiseau qui n'a beauté, qui était la sainteté, parce que la beauté, c'est la sainteté. C'est la beauté, c'est la sainteté. La pureté, autre soit qui. Mais Amnon, oiseau qui déshonoré, oiseau qui Tamar, oiseau qui a payé image à serpent ancien. Ils ont rappelé image à diable, mais attention à cause de cela, le Seigneur a bombardé le Romo dans mon thème. Le jour de la vengeance a manifesté le jour de la vengeance Nekulusu. C'était à la croix que le Seigneur avait manifesté le jour de la vengeance. C'est pour dire qu'à la croix, le Seigneur ne nous avait pas seulement sauvés, mais à la croix, le Seigneur nous avait sauvés. Le Seigneur a eu qui peut nous venger. Il y a remarqué Amnon, Amela Masangana Feti. Mais attention, il sera frappé, il sera mort. Et entendu que quand le Seigneur était arrêté à la croix, le diable était dans la joie. C'est Pela qui n'a pas tourné, croyant que ce qui, or, c'était la fin du diable, or, c'était la fin du monde des ténèbres. Que le Seigneur bénisse. Quand le Seigneur dit tout est accompli, cela veut dire à Kokisi Esaïe. Quand le Seigneur dit que tout est accompli, cela veut dire qu'il avait accompli Esaïe chapitre 35, verset 4. Alors ici, Esaïe chapitre 35, verset 4. Il avait tout accompli. Cela veut dire à sauver, à fouti, à se venger. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, à Silici Nyoso. Maintenant, tant oiseau le baquet père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. C'est pour dire que à Silici Moussala Nyoso, comme fils, nde azongi. Que le Seigneur le bénisse. Landa bisoto tambola malembe malembe pour nous expliquer l'ikanisi. Nous disons ceci. L'œuvre de la croix, quand tu vois le Seigneur azo matasir la croix de Golgotha, tant azo prononcer cette parole totale ça marche ya Nzambe nyonso. Totale ça marche ya Nzambe nyonso depuis qu'il avait quitté l'éternité a yenase ya mabele. Nandenge akozonga kan éternité. Parce que nous disons qu'à l'éternité, Dieu, c'est le Père. Mais pour sauver akola tanzoto, c'est ça la dispensation du Fils. Dispensation à Fils, c'était pour les salis, c'était pour la rétribution. Mais attention, c'est aussi pour la vengeance. Que le Seigneur nous bénisse. Yangotan ozo monadon matanekou, ça veut dire que tout est accompli. Cela veut dire à sauver, à fouti. À sauver Fouti, non seulement Fouti, mais à se venger. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Tant que tout est accompli, c'est la vie de Moussa Sanini et Sili, j'ai remé mon esprit à Zongi Loko la Père, mais attention. Tant que le Loko est le Bine Koulou Soyo, et ça marche Mobimba et Seigneur de l'éternité à l'éternité. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Faut n'oubliez pas que le Seigneur, Azala Kaka, na peuple ne moko le Seigneur aza na peuple mi balete aza na peuple moko mais oza sende na deux. C'est pour dire que aujourd'hui tant azolo ba que tout est accompli. Premièrement abiki si tozoni di makebi son zola ki sauver ne pour nous, mais après na ko bika na biso wana lelo azo banda ko manifester yango premièrement et pas na biso bikolo. Ceux qui biso bikolo to silici nda ko se manifester na Israël. Pourtant ozo mona zolo bakye père pardonnez-les, ça c'est la marche de la vie chrétienne. La marche de la vie chrétienne de bandaka na pardon ya Nzambe. Mutazi bolimbi sya masumu ya Nzambe. Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis après avoir kozo bolimbi sya masumu. Mutazo kota na kata corps du Christ. Le paradis là c'est ça le corps du Christ. Après avoir kota na kata corps du Christ. Voici ton fils, femme, voici ta mère. C'est ça le ministère. Dans le corps du Christ, tu ouvriras le ministère. C'est pour dire que tant que tu es dans le corps du Christ, nous trouvons le ministère.
Et puis, quatrième parole, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Et au tel ça, ma souffrance n'y a pas de souffrance. Vous avez dit, ma souffrance n'y a pas de souffrance. C'est comme si Dieu nous a abandonné, mais attention, il ne nous a pas abandonné. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, physiquement, nous sommes là. Physiquement, ensemble, il nous a laissé dans ce monde, mais spirituellement, il est avec nous. Pourquoi m'a-t-il abandonné? Ils ont sa souffrance, ils ont depuis l'église de Botamati, le lot où tout ça qu'on rencontrait. Dans la cinquième parole, j'ai soif pour nous, l'église, les soif que nous avons, les arrêtés soif à justice. Pour le but errer ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Donc, soif au tousan angolelo, ils aient la justice par rapport à l'injustice, tout le monde a kata moukili, au tousan mon akoma, batou ba créer ba virus pour tuer les gens, bazo créer ba vaccin à mabé pour vacciner les gens, surtout l'andi makambouana nyonso, ça c'est l'injustice. Que les saints nous bénissent, ça c'est l'injustice. Ba créer ba virus à mabé pour chercher tuer pour baïe makambo ba osala, mais biso tous aura un souci à justice. Et c'est là que le monde anglo latanzoto na reine millénaire. Tous aura un soif à justice, non seulement un soif à justice, mais tous aura peine un soif à comment na mobile na biso que le Seigneur bénisse. Tous aura peine un soif à comment na mobile na biso. Mobile na biso, to comment na yé soif na yé, to comment na anglo kokisama, ça sera na lèvement ka akoya ne soif na biso et aussi là. Parce que, à part soif à justice, voilà pourquoi nous chantons. Posa nanga na mona yeswe, posa nanga na mona yo, pona zonga kuna namboka lola, ngana kutana na kolo yeswe. Ok. C'est ça notre soif, hein, c'est de la justice. Oui, qu'on attend tout le monde, on a créé des millénaires. Notre soif, c'est aussi de voir Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que Rebecca, Nanda, Kualibala, pour ça, nous avons dit que Isaac, tant que nous avons dit 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 que nous quelques jours, nous avons dit que nous moi si mon temps bah tu na Rebecca Rebecca vite na zana posa na kende soif à moi si ezra mo na mobile na e soif à ne kokisama na mukolo ya enlèvement. Nde sixième parole, tout est accompli, tout est accompli par rapport à nous l'église. C'est ça la perfection, c'est ça la maturité. C'est pour dire que tu atteindre perfection, tu atteindre maturité et nous quittons la terre pour le ciel, hein. Tant tu atteindre perfection, tu atteindre maturité. Né, septième parole, par rapport à nous, l'église, je remets mon esprit entre tes mains. Cela veut dire, c'est sans l'enlèvement, nous quittons la terre pour le ciel. Nous quittons la terre pour le ciel. Cela veut dire, tu atteindre la maturité, tu atteindre la perfection. Voilà pourquoi nous allons quitter, où ils ont dit, le ciel, la terre pour le ciel. La raison pour laquelle, vous remarquez, Mukolo oyo Rebecca akoya kokutana na Isaac, la Bible dit que Isaac était sorti dans le champ. Vous voyez, la Bible dit que Isaac était sorti dans le champ de tomoni pe Rebecca zoya. C'est pour dire que leur rencontre est telle sama ki na kata bilanga. Or n'oubliez pas, quand on voit le champ na kata bilanga, c'est balonaka. C'est pour dire que awa des gens bilanga na na pensant nzambe, quand on voit le champ et si Kabaloni et tel ça peut peuple en Zambé ou atteindre maturité pour ton dimaraké récolte et ça la capé enlèvement au bouka et ça la capé enlèvement. C'est pour dire que peuple en Zambé atteindre maturité, peuple en Zambé à Kokani na liloba ou ezala ki semé katinaï l'iter ou de yo kaka chaque jour et au terme nanzela ya ba internet nanzela ya télévision nanzela ya ba matéa din mané ou de tozolanda et boti perfection et atteindre maturité, l'homme a kokani na liloba. Nde septième parole, j'ai remé mon esprit et salemi nzambe a buki biso to kokani na ye toke kovanda na ye et sika moko. Gloire soit rendue à Dieu, que le Seigneur soit béni. Parce que n'oubliez pas, quand le Seigneur viendra, il viendra chercher sa parole,
Il faut mutako kanana liloba. Il faut mutako kanana liloba. Mutako ma lokola liloba. C'est alors que Dieu viendra pour nous sauver. Que le Seigneur nous bénisse. Tolobi ke nzambe azalaka na peuple moko. Vous voyez, azalaka na peuple moko, mais peuple wana et se manifestaka. Tous en partie, il y a l'église. Tous en partie, il y a Israël. Que le Seigneur bénisse. Aujourd'hui, l'église est sauvée, mais l'Israël est tombé dans l'endurcissement. Tant que l'église est zone de la maison kende, cette parole au peuple fait bande marche na yango na ngam ya Israël. Que le Seigneur bénisse. Nde Israël a besoin pardon. Comme Père, pardonne-les. Israël a besoin pardon. Deuxième, aujourd'hui, qui sera avec moi, c'est pour dire que Israël a koué bana kokota. Nakata Bokunzi Anzambe, Nengebiso Tozana Yango Lelo, Israël a Kokota. Troisième, voici ton fils, c'est ça, les deux témoins, oui, Bakope Sama, et pas la maison d'Israël. Mais pour préciser, nous disons ceci, que les deux témoins de Fobaya Liboso, les deux témoins de Fobaya Liboso, quand les deux témoins vont venir, Nde Nanzela, des témoins, c'est pour dire que le ministère Nde Memaka Pardon, Pé Marabokunzi Anzambe, Nakata Peuple. Que le Seigneur nous bénisse. Des témoins à côté, tant peuple à qualité, peuple à reçoit pardon, tant peuple à reçoit pardon, peuple à côté, nakati à Bokunzi Anzambe, que le Seigneur nous bénisse. Quand le peuple entre, nakati ya Bokunzi Anzambe, les quatrième parole, pourquoi m'a-t-il abandonné? Pourquoi m'a-t-il abandonné par rapport à Israël? C'est la grande tribulation. Ah, par rapport à Israël, c'est la grande tribulation. C'est pour dire que à Koleka, la grande tribulation, Oeza Minyoko, Pona Bango, Bakulela, Natawana, pourquoi tu nous as abandonné? Donc, le Seigneur a Kolata, Moutema, ya Autriche, a Kotika Peuple Nae, a l'écran Boko, ya Antichrist, a Kotika Peuple Nae, Antichrist, a Nyokolae, Antichrist, a Bomae, Antichrist, a Salamabe, ou ya Kaniko Sala. Parce que, nous avons dit qu'après l'enlèvement de l'église, premier saut n'est que se manifester. Nous croyons que tous les sauts à la croix de Golgotha et Sefungwama. Apocalypse chapitre 6, quand l'agneau ouvrit les sauts, c'est pour dire qu'il avait vaincu et il avait ouvert tous les sauts. Tous les sauts sont ouverts. Mais, Ezakiel a taille accomplissement na yango. Les lots toujours vivront aussi les plans spirituels, mais l'obi yango est kozala matérialisé. Après l'enlèvement, cheval blanc, où est la séduction, les faux prophètes, à quoi se manifester. Tant où Israël a côté les mélalités à Naé, au milieu de la semaine, à quoi ma cheval roux, à quoi ma cheval noir, à quoi ma cheval pâle. C'est ça la grande tribulation. Il va commencer à tuer. Pourquoi? Parce que le peuple, ba sa bande, ba boi, koyo qualité à Naé, ba boiye. Nde yangoana, peuple, à quoi ba na kolela. Pourquoi tu m'as, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans la prophétie, cette écriture, c'est la grande tribulation. Là, nous voyons Israël en train de pleurer et reste de la Vierge. La Vierge folle. Bakoye bape nakolela na katia grande tribulation. Cinquième parole, j'ai soif. C'est pour dire qu'à cet âge-là, à cause de la souffrance, à cause de la grande tribulation, les peuples de Dieu, ils auront aussi soif. Soif, ils auront besoin de justice. C'est pour dire que Bakozala n'a pas sa justice en Zambé. Parce que Bakonyo Kwama, à cause y'a pas Siwana, ils vont pleurer. À cause y'a pas Siwana, ils auront besoin de la justice de Dieu. Vous en mona, Bakozala n'a pas sa justice en Zambé. C'est pour dire que Nzambé, Akita, Aya, Nako Kangola Bango, Nzambé, Akita, Aya, Nako Vange Bango. Exactement, les soif Oyo. Et qu'on compare à un cinquième saut, soif Oyo, et qu'on appelle comparable à un cinquième saut, parce que dans le cinquième saut, nous avons les martyrs, bazo lela, bazo crier, bazo réclamer vengeance. Bazo lela, bazo réclamer vengeance. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pour dire que quand le peuple de Dieu va prier, bako lela, nako lela na bango. Mili mona bangwe banda ko réclamer vengeance, que le Seigneur bénisse. Même madame Makila ozo sopana et ko banda ko réclamer vengeance. Et on te dit que j'ai soif oyo eza à cause ya grande tribulation des peuples ya Nzambe ko lela. Si ko tant peuple ya Nzambe ko lela ne tout est accompli et ko kokisama. Tout est accompli oyo attention. Tout est accompli oh c'est pour dire que
peuple ya nzambe ba kotika la batendre pe maturité batendre perfection maintenant tout est accompli va s'accomplir na tout est accompli oyo mon ape la vengeance de Dieu le sixième saut na tout est accompli mon ape la vengeance de Dieu le sixième saut toujours mon ape la bataille d'Armageddon parce que na kata bataille d'Armageddon Apocalypse chapitre 20 c'est là où Satan sera lié pendant 1000 ans. Attention, tout est accompli aux amoulaï. Tout est accompli aux amoulaï. Tout est accompli aux téléma mounen et aux bandawana. C'est pour dire que tout est accompli. C'est pour dire que tout est accompli. Les salis d'Israël et coquille. C'est pour dire que Nzamba monique sali pour na peuple naé et coquille. Maintenant, Dieu maintenant va maintenant commencer à frapper. Dieu maintenant commence à frapper. Na, tout est accompli. Tout le monde appelle bataille d'Armageddon et que Bandawana tout est accompli ça mon néné tout le monde bataille d'Armageddon nous c'est ça wana tout le monde reine millénaire nous c'est parce que nous disons que l'œuvre de la croix est à marche à nous son nous ce que ça la main c'est la bataille d'Armageddon c'est la lève mais c'est ça la main nous surtout et c'est là qui na ekulusu que le Seigneur bénisse nous tout le monde a bataille d'Armageddon tout ça on a carte tout est accompli reine millénaire. Tout est accompli. Après les reines millénaires, parce que nous disons pour le suivant, après l'enlèvement, Satan sera lié pendant 1000 ans. Retenez, c'est toujours la dispensation du Fils. Tant que tu es reine millénaire, tu es bongo, tu continues reine millénaire, après reine millénaire. Il dit qu'il faut que Satan soit relâché pour un temps. Tant qu'Akobima, c'est pour séduire les habitants de la terre. Tant qu'Akobima, à séduire les habitants de la terre, pour combattre les saints. Mais moi, je ne suis pas en Zambé et que tu m'as bango. Après, on a deuxième résurrection. C'est pour dire que. Nous disons que la première résurrection, Apocalypse chapitre 20, sur Okiti, Ezali pona bana ya Nzambe. La première résurrection, ezo banda na vierge sage. Oya kei. Vierge fola tikali. Première résurrection, Apocalypse 20. Ekotali sape, la résurrection des saints, oba okufa na grande tribulation. C'est pour dire que ezala biso oto kende na levema. Ezala na basantu oba kose kwa na grande, après grande tribulation, pona entrer en millénaire na Apocalypse chapitre 20. So ki ti, ça c'est la première résurrection. La dernière ou la deuxième résurrection, ça consiste à tous les païens qui vont ressusciter après les guerres de Gog et Magog pour aller en enfer ou le jugement éternel. Après cela, c'est alors 1 Corinthiens chapitre 15 va s'accomplir. 1 Corinthiens chapitre 15 verset naïf s'il vous plaît 1 Corinthiens chapitre 15 verset naïf 23-24 mais chacun saura Christ comme prémisse et puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement verset 24 ensuite viendra la fin car il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Écriture autant que il remettra les royaumes tous au baquet comme ça les après le jugement dernier. Après le millénaire, Satan sera relâché pour être pour séduire. La bataille à Gog et Magog, Satan sera détruit avec tous ses esprits. Mais après on a résurrection dernier salami, deuxième résurrection. Batouba leki na jugement, batouba sambi sami. Après avoir sambi samande, il remettra le pouvoir à celui qu'on a père, père et de cela veut dire dispensation à fils et sili à zongi père. Dispensation fils. Et banda ki banda arrivé à Jésus sur la terre, et que si la type événement prophétique nous se si la, qui a sambi sa batou na dernier jour, ou alors à dispensation fils, ne a kozong sa siko, il remettra le pouvoir à celui qu'on appelle Père et Dieu. C'est pour dire que dispensation fils et sili à zongi na comme à zongi Père, n'est pas qui na éternité. Que le Seigneur le bénisse. Quand je dis ceci, j'ai des écritures
ont soutenu là que dispensation à fils et Kosuka, même dans le jugement dernier, c'est lui qui va juger, c'est toujours le fils. J'ai les écritures. Tosa na mukanda ya pona kotali sake, même jugement nyonso ezaka kana maboko ya fils. C'est pour dire que la dispensation du fils va continuer, même dans le jugement dernier, c'est toujours le temps du fils. Tosui, première écriture, Jean chapitre 5. Jean chapitre 5 verset Jean chapitre 5 verset 27 le lobby na verset 26 à 27 le lobby Jean 5 26 à 27 car comme le Père a la vie à lui-même ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie à lui-même verset 27 et il lui a donné le pouvoir de juger parce que il est le Fils de l'homme na verset 21 à 22 car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Vous voyez? Tout jugement, c'est pour dire que c'est le Fils qui juge. Il y a un autre qui est dispensation Fils et Zobanda depuis Nzambazola Tanzoto. Depuis l'arrivée de la colombe, nakati a corps ya Jésus, donc est dispensé son fils Zobanda. Donc tant au moins hier soit Zobotama nanzoto, c'est ça Nzambe Zobotama, c'est ça la dispensé son fils Zobanda. Et Zobanda bongo est aussi la tine à jugement dernier. C'est pour dire que fils aye atei à matine kulusu. Tant voici si musala kulusu, l'Église est sauvée aujourd'hui. Toki, enlève mes salamis. Tant enlève mes salamis, les salis rentrent en Israël. Des témoins sont en Israël. Batei, au milieu de la semaine, grande tribulation est bannie. C'est toujours la dispensation du Fils. Toki, bataille d'Armageddon. Après bataille d'Armageddon, toki, reine et millénaire. Après reine et millénaire, le diable est. Dans la bataille d'Armageddon, le diable est lié pendant 1000 ans. Toki, reine et millénaire. Après reine et millénaire. Le diable sera relâché pour un temps pour séduire les gens. Bakoya na bataille Gog de Magog, moto nzambe qui te kutumba bango, attention. Moto nzambe lingo bateke moto moko ya kutumba bango, non. Moto c'est le fait parce que la Bible dit que Dieu juge par les faits. Dieu lui-même s'était fait dévorer. C'est pour dire que Dieu va se manifester dans sa colère, va les détruire. Après wana, nous avons la résurrection des morts. Baton so bakufa Jean 5 22, c'est pour dire que c'est toujours la dispensation du fils. C'est le fils qui va juger. Après le jugement dernier, il remettra le pouvoir ou le royaume à celui qu'on appelle Père et Dieu. C'est pour dire que la dispensation du fils est sili à Zongi Père. Omoni, dispensation du fils est Zongi et sili à Zongi Père. Ndengazalaki na est éternité, c'est ça. J'ai remis mon esprit entre tes mains. C'est pour dire que la dispensation du fils, c'est fini. La dispensation du fils, c'est sili. Fils, azozonga sukoyo, nengazalaki na éternité. C'est pour dire que il était le père ou il est le père, mais comment qui fils pour le sali, pour la rétribution et pour la vengeance. Là, nous sommes dans Ésaïe chapitre 35 verset 4. Akokende nango boeti na suka ya jugement est dernier. De akozonga père. Donc remettre le royaume, c'est pour dire que fini la dispensation du fils à Zongi Père. Ndenge azalaki na éternité. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Voilà pourquoi vous remarquez en Égypte, Moïse liboso ya Pharaon. Pharaon a kovanda na ba magicien na ye. Zomona, a kovanda na ba magicien na ye. Mais Moïse, il faut pas kamatanzete verge. Babou akana mabele. Or verge tant que zana loboko, c'est ça le père. Parce que verge na loboko, ezana makilate, ezana maite, eza sec, eza okaoka, ezangi makila, ezangi mai. C'est ça Dieu comme esprit. C'est ça Dieu comme père. Dieu comme père, ana maite, ana makilate. Mais tant que zomona verge, ezo longwa na loboko, ici je prends la main comme le trône, comme la gloire, comme le ciel, l'éternité. Tant que zo tout a mabele, ezo comme anyoka. La terre ici, c'est la sœur Marie. C'est pour dire que quand l'esprit qui est l'éternel, le Père, ils ont tout à Mabélé, continue à Katanzoto à Marie, c'était pour devenir un serpent. Or, un serpent, Azana Maï, Anna Makila, c'était pour devenir un serpent. C'est ça, le Père qui devient fils. Tant qu'on a bien un serpent, Ezangaïte, notre maître. Il dira ceci. Comme Moïse éleva les serpents dans le désert, les mêmes, les fils de l'homme sera élevé.
Miche, nous, ce que mon aïe, bika. C'est pour dire, quand on voit les serpents, c'est le fils. C'est pour dire que c'est le père qui devient fils pour sauver. Il y a encore remarqué, Akumela, Wesali, Bamangenda, Yabato Amabe, Akumela, Bamangenda, Yabato Amabe, que le Seigneur bénisse. Tant que nous avons la Mangenda, Yabato Amabe, nous avons Akumela, Zakolia, c'est ça, Kolia, tu peux ce qui est dans Daniel chapitre 7, c'est ça, Beto Bandaki, s'il vous plaît. Na kiko unapata sa kiki na bet moko abanda kulia kufule kudetruire c'est ça kudetruire kufule c'est ça la victoire sur ses ennemis tango zo mona serpent zo mela mangenda ya ba bato a pharaon etal c'est le seigneur waye baki na ko dépouiller les autorités les dominations tout à la croix de Golgotha. Mais attention, c'est pour dire que après avoir kosi lisa musala nyonso a kozonga lisusu verge. C'est pour dire que verge, c'est ça, le Dieu, c'est ça Dieu comme père, Dieu comme esprit, serpent, c'est ça le fils. Après l'œuvre de la croix jusqu'aujourd'hui, c'est la dispensation du fils qui continue. Il faut avancer, venger, il faut agir, à sauver, à s'il s'en 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 a commis moine les serpents à Bikisi, mais na souka makamunyoso a kozonga sous verge. C'est ça, j'ai même mon esprit entre tes mains. C'est ça la fin de la dispensation du fils à ozonga papa. Remarquez le sous. Na Daniel chapitre 2, tout le monde a statique. Statique moke tombama. Omoni, il y a 4 parties. Statique wana. Statique moko, il y a 4 parties. Nous disons, statique, il y a image à diable. Il y a encore remarqué, dans Joël chapitre 2, je vous remplacerai les années que vous dévorez, batangi 4 insectes, ma grande armée que je vous avais envoyée. Une seule armée, mais a composé de 4 insectes. C'est pour dire que c'est ça aussi les 4 cavaliers pour le chapitre 6. Un seul ennemi, cheval noir, cheval roux, cheval pâle, noir, cheval blanc, cheval roux, cheval noir, cheval pâle. En vérité, 4 où ils ont la ennemi moko. Mazo s'est manifesté dans 4 parce que c'est limitateur. A imita Kanzambe pour le chiffre 4, l'homme la Kanzambe moko c'était limitateur. Donc, dit que la statue, c'est ça le diable. Mais nous disons que la montagne, tout le monde a Libanga, tout le monde a montagne. Nous disons que la montagne là, c'est le père. Mais Libanga Oyo, c'est ça, la montagne, c'est comme Libanga. Cela veut dire le père a comme fils. Na mission, il y a qu'on détruit statue. À la croix, à détruire statue. Et puis, cet même événement, et tel ça rappelle la bataille d'Armageddon, parce que cette statue dans la révélation c'est le diable, mais sur le plan prophétique, cette statue c'est ça le royaume du diable qui régnera sur la terre. Que le Seigneur bénisse. C'est pour dire que la descente de cette pierre sur le plan de révélation, c'est ça la victoire de la croix. Sur le plan prophétique, c'est ça la bataille d'Armageddon, la victoire de Christ dans la bataille d'Armageddon. Que le Seigneur bénisse. Mais mon problème n'est que qu'on ne sait pas tel ça caca qu'est dans la montagne. Oye zoko malibanga, ebuki ekeko, meko suka kaka libanga te, eko zonga kali susu montagne. Vous voyez, la montagne c'est le père, la pierre c'est le fils, il dira le même que mon père est plus grand que moi. Mais à remettre jugement sur ma boko nae, que le Seigneur bénisse, parce que vous remarquez que David avant Koufa, après ça, jugement ne se passe à Salomon. Après, il sait que je sais que tu es sage, tu es intelligent. Avec un tel tu gérerais ainsi. Avec un tel tu gérerais ainsi. C'est pour dire que père, azo kufuma azo tika domination pouvoir n'y en soit pas fils. Que le Seigneur nous bénisse. N'y en soit pas fils. Il y a un autre dit que la montagne c'est le père, la pierre c'est le fils. Tango azo ya, azo sala musala, azo sili sa musala. Mais après avoir kosili saka musala n'y en soit kozonga kasu su libanga. Ya kozonga kasu montagne. C'est ça Dieu, et c'est ça le fils. Après avoir tout terminé, c'est ça, il remettra les procès avec la Kozonga sous montagne. Azalaki montagne, a commis Libanga. Montagne, c'est ça, le père. Libanga, c'est le fils. Kozonga sous montagne, c'est ça. Kozonga sous comme père. Cela se manifestera après, Oezali, le jugement dernier, le Kozonga sous comme père. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Peuple de Dieu. Il y a des glorieuses promesses, des merveilleuses promesses. Nous croyons à l'enlèvement. Après l'enlèvement, trop vite en arène et millénaire.
Après règne millénaire, tokozong à éternité. Ce sont des merveilleuses promesses, des glorieuses promesses, des excellentes promesses. Oui, ça pose la biso. Voilà pourquoi le Seigneur n'a pas eu de nzambe. Tout le Seigneur n'a pas eu de makasi à kobanga. Finalité à nyo, c'est ça pour tout le monde. Nous pouvons expliquer tous les mystères. Mais ce que tu as vu à sanctification, et que ça la passe parce que ce jour-là, tu as là. Alors, c'est ce que je ne vous ai jamais connu. Marchons dans la vie de la sanctification. Marchons dans la vie de la crainte de Dieu. Oui, et ça passe. Nous avons eu de makasi à kokoka. Mais avec l'aide du Seigneur, nous na kokoka. Nous avons eu de makasi à la terre. Nous avons eu de makasi à la terre. N'angela ko kila, le Seigneur nous aidera parce qu'il est notre Père. Que le Seigneur nous bénisse. Bref, tant que le il remettra les royaumes à celui qu'on appelle Père et Dieu. C'est à la fin de toutes les choses, après le jugement dernier. C'est ça aussi, je remets mon esprit entre tes mains. C'est pour dire que la dispensation du Fils est si li, tout zongi na éternité. Avec notre Père. Nous croyons que Jésus-Christ est celui qui est le Père. Alatakinzoto, il est là pour nous sauver aujourd'hui, pour nous garder aujourd'hui. Voilà pourquoi n'ayez pas peur, parce qu'il avait tout accompli à la croix de Golgotha. Jésus est notre victoire, Jésus est notre gloire, Jésus est notre force, Jésus est tout pour nous. Au peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse prochainement. Dimanche, nous allons ramasser les événements qui vont se passer après la mort de Jésus. Nous allons avoir la révélation, la prophétie, et la doctrine. Pour aujourd'hui, nous allons dire que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Le numéro de M. Zali, plus 243-89-860-88-75. Plus 243-89-88-77-333. S'il y a des questions, vous posez-vous, nous allons partager. Laisse que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.